Bonsoir à tous, chers résidents de l'île. En ce vendredi 22 mai 2020, il est actuellement 20h34 sur notre belle Cocolindo. Flûte alors, je crois qu'il y a vraiment rien de neuf aujourd'hui. Ah oui, est-ce que vous avez regardé le documentaire d'hier soir à la télé? Il s'intitulait Kung Fu, la rétrospective. Figurez-vous qu'il m'a appris quelque chose d'important. À savoir que c'est le genre de sujet qui m'endort dès la première minute. Oh là là, me revoilà qui ennuie tout le monde avec mes heures de télé. Pardonnez-moi. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Salut à tous, c'est Alex le serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode de Animal Crossing New Horizons, j'espère que vous allez bien. Ah, ma petite maison. Hé, tape pas comme ça. Runarama, donc il m'envoie normalement la statue féminine, la Vénus de Milo qu'on a chopée chez Yann. J'espère que c'est une vraie. Titi, au seul et unique loup, c'est trop gentil. Parfois c'est super dur de dire en face qu'on pense vraiment quelqu'un. Alors j'ai décidé de mettre mes sentiments dans une carte. Bon, je me lance. Je suis trop content d'être ton ami. Oh, c'est trop mignon! Devon de Senkaku, du coup. Un petit cadeau. Mais c'est trop gentil. Mais déjà qu'il m'a fait... Pardon, je m'étrangle plein d'appât. C'est l'émotion. Et Yann. Qui m'envoie un poster de Tom Nook. Je pense pas l'avoir, le poster de Tom Nook. Je vais avoir Mélie, mais pas Tom Nook. D'ailleurs, j'ai réfléchi à un truc. Pour les photos, en fait, je pense en carte Amiibo, mais il se trouve que j'ai aussi des Amiibo tout court. Donc je vais pouvoir inviter plein de gens sur l'île de Joe la prochaine fois qu'on y retournera. Dont Blaise, j'adore Blaise. Une plaque cœur. À quoi elle ressemble? Ah, elle est plus belle que celle que j'avais. Elle est rose, celle-ci. Avec un petit welcome. L'autre, elle était verte, j'aimais pas trop. Je vais la mettre à l'intérieur. Alors, statue féminine, ça, ce sera pour notre ami. Ah, j'avais pas Tom Nook, effectivement. Ce sera pour Thibaut, du coup, et... Ah oui, le four en pierre que j'ai toujours, là. Est-ce que tu peux... Non. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Je sais même pas. Ma boule de mousse. Je place la boule de mousse. Voilà. Non, je veux que tu... J'aurais que tu chopes... Oh, tu manques Kikin, Maureen. Et en plus, il le remet pas au bon endroit, hein. Vraiment tout pour m'embêter. Alors, hop. Hop, et ça, tac, et la lumière aussi, c'est orange, voilà. Où est-ce que je suis? Je suis tout perdu. Tout est entreposé, très bien. Ah, attends. C'est bon. Bon, je me suis toujours pas occupé de mon étage. On verra ça un petit peu plus tard. Je mettrai peut-être le sol oasis. Pour faire une petite chambre rigolote. Ou alors avec le bureau. Non, je fais un truc normal. Et je mettrai le bureau. Ça, c'est trop bien, je peux pêcher d'ici. Avec le bureau dans la chambre, du coup. Et je me ferai une petite salle. Oh. Petite salle un peu oasis. J'aime trop, trop, trop là où j'ai placé ma maison. Ça va, Chiro? Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, Pocket? Elle regarde les travaux ou les fleurs? Bonsoir, j'espère que tu passes une belle soirée, gamin. C'est le temps idéal pour faire une balade sur l'île. Il faut en profiter. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, tu vois. Voilà, mes clochettes. Alors, je ramasse tout ça. On veut des sous et on veut de l'or aussi, ce serait bien. Le retour de l'or. De maison du café. Ah, c'est pas ici les sous. Allez, de l'or, de l'or.
On y croit, on y croit. On tape, on tape, on tape, on tape. Rien du tout. En revanche, j'ai les tapotis du jour. Voilà. Super. Hop. Un carassin. Je voulais voir ma carte. Combien j'ai de ponts pour l'instant? 1, 2, 3. Oh, ça va. Alors, j'en ai prévu 4, 5, 6, 7. Parce que c'est 8 maximum. Hein. Donc, non, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, je ne suis pas au-dessus de la limite. Alors, je vais arroser mes roses. Voilà. Ah. Oh. Ah. Rien du tout, de rien du tout, hein. C'est que ça change. Ça a pas mal changé quand même dans le coin, c'est vrai. Attention. Ah là là. Une loge des temps, ça faisait longtemps. Ah, depuis que j'ai eu mon poisson docteur, ça m'a bien surpris. Non, je ne viens pas encore. C'est pas encore mon moment. J'ai fait un rêve, j'ai rêvé que je pêchais plein de poissons rares. C'est marrant ça comme rêve. Ça me souvient d'un. Enfin, je viens de m'en rappeler d'un coup là. Voilà. Oh, il y a Céleste. Ah, bonsoir. Les étoiles sont superbes ce soir, n'est-ce pas? Oh, j'y pense. Je suis tombé sur un plan dans un livre sur les étoiles récemment. Je l'ai noté et j'aimerais t'en faire cadeau. Si tu essaies de le réaliser, tiens-moi au courant, d'accord? Sur ce, j'espère que tu vas passer une excellente nuit. Tu peux compter sur moi pour en faire autant. Cool. Un nouveau plan stellaire, du coup, l'armoire des Gémeaux. Très bien. Bon, faut encore avoir des étoiles et des constellations Gémeaux, mais bon. Ce sera pas avant cet été, hein. C'est l'été, je crois, les Gémeaux. Poisson ange. Alors, ça a la taille de l'omble. C'est peut-être une truite dorée. Avec le bruit de la cascade, je déteste. C'est un saumon mazou. Décidément. J'ai la côte, moi, avec les saumons. C'est dingue.
Un objet perdu, ça faisait longtemps. Ils perdent souvent leurs bouquins. Alors, il n'y a pas de fossiles aujourd'hui apparemment. C'est grève des fossiles. Aïe. Ah, j'entends le vent. Où est-il ? Je l'entends, je le vois pas. Ah, ça y est, je le vois. Voilà. Alors, suspense. Un aérateur. Bon, on va pas être... C'est pas l'objet du mois, quoi. Oh, j'ai été très lent, là. J'ai eu de la chance. Ah, je me méfie tellement d'appuyer trop vite que, des fois... Alors, hop. À nous les sous ou pas? Faut qu'on bouge Salami aussi aujourd'hui. Scolopendre. Il y a Jamie qui se balade derrière. Bon. Salut Jamie. Alors quoi de neuf? Bah alors c'est quoi? Ah, c'est un bouquin. Enfin un agenda plus précisément. Oh ouais, merci de me rapporter cet objet, ça me procure un bonheur d'exceptionnelle immensitude. Alors ça tu vois, c'est ce que je dirais, c'est ce que je dirais si c'était à moi. Mais, si tu veux mon avis, c'est mot pour mot ce que Titi te dira. Du coup, c'est pas lui. Ok. C'est à Titi. Bon bah très bien. Oh, Cornio. Tiens, mais c'est Bichon. Chaque fois que je fais une sieste dans un arbre, je me réveille toujours par terre. Tu crois qu'il y a des failles dimensionnelles dans les arbres? C'est la seule explication. Alors, ok, donc le nouveau rocher a poussé ici. Très bien, bah écoute. C'est pas le plus pratique, hein. Peut-être que je vais le péter aussi pour qu'il se mette ailleurs. Ah, il y a Jason. Il y a du monde aujourd'hui entre Céleste et Jason. Il y a pas Runar tant qu'on y est. Non, il est pas là. Allez, la loge des temps. On va aller voir Salami. Par contre, ouais, toujours aucun fossile. Ah, un petit plan. Un présentoir à bonsaï. C'est mignon, ça. Super. Alors... Par contre, je sais pas où t'installer. Hein. Ça me coûtait 100 000 balles pour te bouger encore une fois. Faut encore que je réfléchisse hein, si je veux... Si je veux te remettre à un autre endroit... Je sais pas encore, voilà, je sais pas trop. Ne sois pas timide, entre donc, surtout fais comme chez toi. Il semblerait que quelqu'un dont je tairai le nom vienne d'annuler le rendez-vous que j'avais avec lui. Dis-moi Lou, que fais-tu pour t'occuper quand tu as soudainement du temps libre? D'autres plans du ménage ou une sieste? Oh, une sieste, j'aime bien. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que se laisser aller? Prends garde à ne pas devenir un gros paresseux. Cela dit, ce n'est pas un crime de s'accorder un peu de repos parfois. Ça aide aussi à voir plus clair.
Je dirais même que du temps libre qui tombe dessus, c'est presque une invitation à de la couler douce. Moi j'aime bien le temps libre, j'aime bien les petites siestes. Alors, on continue. Ah, personne. Ah bah là, c'est bien, plein de couleurs ici. Hein. Du rose, du jaune, du rouge, du orange. Du blanc. Voilà. Ah mais Titi elle est dehors. Allez, premier fossile, il était temps. Voilà. Les sous. Oui, c'est les sous. Allez. Yeah. Ouais, je l'ai vraiment ruiné, hein. Drelin. Oh mon dieu! Bah, bonjour. C'est quoi ce truc? C'est un masque de Noé. Ah, le théâtre japonais. Je vais prendre ça, c'est un peu effrayant. Là, ça a pas changé. Salut, Cousette. Oh, Lou, tu tombes à pic, j'espérais bien te voir aujourd'hui. Je t'ai confectionné une nouvelle pièce de tissu à motif pour tes meubles personnalisés. Bah, dis donc, il va vraiment falloir que je commence à personnaliser les trucs, hein. Ça, c'est quoi? Une veste militaire. Ouais, j'aime bien. Et alors le petit short coloré aussi, il est trop mignon. Voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à économiser. Oh mais le masque. Faut que je fasse un truc génial avec le masque, faut que je fasse un truc trop flippant. Alors attends, je vérifie derrière. Ok. J'ai toujours qu'un seul fossile, hein. On est d'accord. Bah là, c'est pas la peine. On va dire bonjour à Jason par politesse. Ouais, je sais, tu adores les insectes, tout ça. Alors, tiens. Je vais te vendre, du coup, ma 6 indèles dans 2500 et tu me rachètes combien? Je suis persuadé que c'est 2500 ou... Peut-être 2000 alors sinon. Attention à pas péter la souche, ce serait dommage. Gros poisson. Un bar, hein, certainement. Quelle zénitude à toute épreuve, je m'impressionne moi-même, franchement. Il y a du vent ce soir, hein. Ah, cette ruche. Voilà. Faut t'avancer un petit peu plus si tu veux tout arroser là. Le blanc aussi un petit peu. Bon, où est Titi? Oula! Ah oui, non, c'est vrai.
Je me dis ça a bien poussé, mais non, c'est que j'en avais retiré plein. Je les avais cueillis pour les mettre dans mon stockage. Ah, Titi est juste au-dessus, parfait. Salut Titi. Hey, t'es encore debout à cette heure-ci, tu vis Cocolindo à fond, pas vrai? Montre un peu ceci là. Je pensais vraiment que j'arriverais jamais en cahier d'autographe. Et toi tu le retrouves. Ça fait deux fois que tu le perds, hein. Méga merci, toutes les clochettes du monde pourraient pas éponger la dette que j'ai envers toi, alors tiens. Une tenue de jockey. Je parie que tu t'y attendais pas, hein. Alors, par contre j'ai vu que mon inventaire était plein. On va passer à la boutique. Mais bah tant pis pour Jason, j'ai un gros doute là. Sur ce que ça rapporte. Bonjour. Il n'y a pas de tir en plus. Bienvenue à la boutique. Il y a des choses qui me plaisent en plus. Alors, je vends ma loche. Je vends ma loche. Je vends mon autre loche. Mon carassin. Oh, la boîte vide, j'en ai marre. Je la vends. Ça, ça, ça. Et puis ça. Et puis... le bar, ça, ça, ça. Mais c'est pas énorme. Ça, j'aime bien. Angle de canapé, 2700, allez. Et là, le bureau, il est pas mal. Une table d'amphi. 2005. Je sais pas. Et le buffet là, j'aime beaucoup. À mon avis, il doit casquer. Oh! Ah, c'est dommage, il est vraiment beau. Ça va, Patty? Oh là, Lou! Les grands esprits se rencontrent, ma fraise. J'ai le pressentiment que je vais faire une bonne affaire aujourd'hui. Alors, je cherche. Je cherche donc. Ça, c'est quoi? Une boîte à couture. Ah, voilà, faut que je l'offre. Je sais pas si on est déjà un, mais... en tout cas, je prends. Une boîte à couture, faut que j'offre ça à Vincent parce qu'il se fait un petit atelier dans sa maison. Puisqu'il coud. Il coud des sacs, c'est son métier. Il est artisan maroquinier. Je lui dis, fais gaffe à pas courir comme un dératé quand même, parce que si tu tombes sur un scorpion, tu seras bien content d'avoir le réflexe de sortir le... voilà. Je vais l'envoyer tout de suite avant que j'oublie. Alors, bonjour, bonjour. Oui, je veux envoyer une carte à un ami. Alors, voilà, la boîte à couture. Et voilà, la carte est partie, formidable. Ta 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 la pam padam.
Alors, petit courrier. Tu viens de découvrir un secret hier en faisant du bricolage chez moi, je me suis trompé dans les matériaux et voilà le résultat. J'aurais pu le garder secret mais je préfère le partager. Tes amis seront verts de jalousie. Un tas de cartons L. Je connais déjà. Je le mets là. Prendra qui voudra. Voilà. Voilà, il leur faut d'autres couleurs à ces roses là. Ici il manque des tulipes jaunes hein. Si on veut vraiment avoir d'autres couleurs. Où est le dernier fossile? Bizarre, j'ai fait tout le tour pourtant. Bon, j'ai déjà donné ce que j'ai trouvé. Bonjour! Oui, le rallye tampon, je sais. J'ai déjà fait le rallye tampon. J'ai même fait deux fois. Moi, je préfère compléter le musée, puis je le visite déjà assez souvent, je le connais bien, tu sais. Il a déjà. Ok. En revanche, il y a une chose que t'as pas. Et ça, normalement, c'est pas une contrefaçon. Une statue féminine? Oui! Oh non, 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 non! C'est une imitation? Mince alors! À quel endroit? J'étais persuadé. Enfin, je voyais rien de. J'aurais quand même dû ouvrir le. Bon, après, c'est tellement beau que je peux la mettre à Beverly Hills, après tout. Non. Qu'est-ce qui cloche? Oh non, c'est pas vrai. Si, attends, il y a un trou dans le bras ou pas du coup? Un truc avec la jambe peut-être, j'en sais rien. Ah! Bon, c'est pas grave, c'est très joli. Mets-toi un peu plus là. Voilà. Oui, je sais pas ce que je fais. Non, mais je me dis qu'il doit pas être très loin le fossile. Une grenouille, bah tiens, ça faisait longtemps. J'y crois pas.
La punaise. C'est 2000, je crois, la punaise. Allez, l'autre côté. Alors, bonjour, bonjour. Oh, un téléphone sans fil. Ok. Trois jours d'affilée. Le shopping. Un shopping. Rien. Réfléchir. C'est marrant ça. Rien d'autre. J'aime bien offrir le poster d'Elise. Je vais l'offrir à Yann aussi. Ça me fait trop rire. Voilà. Je pense qu'on va bientôt aller se balader sur une île mystère, donc je vais me prendre un ticket. Voilà. Bah, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Je dois déjà l'avoir, je pense. Non, ferme, j'ai un petit doute. Je vais le prendre de couteau pire. Oh, 1000 miles, qu'est-ce que 1000 miles? Oh, regarde, j'en ai 100 000. Je pourrais l'offrir, au pire, ça fera un heureux. Et tu vois, je l'avais pas. Comme quoi. Alors. Donc là j'ai mes fleurs. Bon, elles ont pas. Enfin mes buissons. Faudrait que je fasse mes bancs. Et ah oui, bah si, je pourrais acheter mes lampadaires, tiens. Je vais le faire maintenant. Je vais déplacer Salami. Hein. Pour l'instant, il peut aller ici. Faudra pas que je me plante en refaisant la maison. Comme je suis planté que l'atelier doit être fait. Voilà. Et repartir de l'autre côté. Hop. Les maïs nook. C'est ce qui me semble. Réverbère. J'aimerais bien en choper 4, mais ça va être long. Oui. 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 Voilà.
Eh ben, bon, il y a un fossile en tout cas qui m'aurait échappé aujourd'hui. Mystère. Petit filou. Mais du coup, c'était une belle petite journée. On va pouvoir reprendre demain. Salami aura déménagé. Demain, on a un concert aussi. Hein? Et puis voilà, je vais quand même faire un petit bisou à Annelise parce que je l'adore. Coucou. Je suis enchanté de t'accueillir chez moi, Galapia. Dis, ton ami Gavroche, celui qui nous est venu de Savasana. Vous devez très bien vous entendre. Il a quand même fait le voyage pour venir te rendre visite. J'espère qu'il reviendra vite, Galapia. Ah, j'aime tellement ce comptoir hors de prix. On va se reposer pour maintenant. Demain est une autre journée. Ah bah tiens, Anna, t'es là. Quoi de neuf, la mini-niche? Tu t'offres une petite balade du soir, Niniche? Eh oui. Elle est moche comme un pou de mer, ma petite Ligie. Hop, repos. Pas de petite... Non, pas d'étoile filante. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce samedi 23 mai 2020, il est actuellement 19h01 sur notre belle Cocolindo. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Permettez-moi de vous souhaiter à tous un très agréable week-end. Merci bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chloé. Faut qu'on aille la voir sur son île pour lui faire un joli cadeau. Il faut que je trouve un cadeau, du coup. Alors, Jamy qui m'écrit... Entre nous, Lou, le mieux pour apprendre à se connaître, c'est de s'écrire. Par exemple, je vais tout de suite te confier quelques secrets croustillants sur moi. Oups, j'ai plus de place, me dit Jamy. Réfléchir, donc, une petite musique. Et puis, donc, article demandé. Dans la poche. Alors, je vais vite aller voir dans la boutique, peut-être, s'il y a quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression qu'on entend super fort la cascade. Et pas du tout la musique. C'est ça d'habiter près d'une cascade. Alors. Voyons voir. Ah oui, c'est mes réverbères. Mes réverbères. Hop, ma musique. J'ai les poches pleines. Réverbères. Téléphone sans fil. Bon, j'entrepose. Angle de canapé, j'entrepose. Mauvaise herbe, sablier, j'entrepose. Mes réverbères, je garde. Poirier, tenue de jockey, je peux entreposer. Veste militaire, je peux entreposer. Masque de no, je peux entreposer. Réfléchir, je la mettrai plus tard. Je vais aller voir s'il n'y a pas un truc sympa à la boutique et on va vite passer. Alors. Ah, j'ai pas le temps avec ces bêtises. Alors, vite à la boutique, dis-moi. Dis-moi s'il y a quelque chose, je t'en prie. Alors... Bonjour. Il n'y a rien de... Oh là là. Rien de formidable pour un cadeau. Bon, je vais voir si j'ai un truc dans mon stockage quitte à me le racheter après à part, du coup. Hop. On va trouver. J'aurais dû acheter du papier. Alors, qu'est-ce qui serait sympa? Le Ligeon, il est joli. Mobilier. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut lui offrir qui est sympa? Bon, j'ai pas tant de trucs que ça en fait, d'ailleurs. Voyons voir. Divers, dans les trucs divers peut-être.
Ah, je sais pas, il y avait rien de très. J'avais un papier peint en double. Ah non, le papier peint montagne, mais je l'ai offert déjà à Yann. Et en tenue. La tenue de femme d'affaires, elle est rigolote. Tenue de femme d'affaires. Et puis. Alors. Tenue de femme d'affaires, ok. Le hamac gonflable, je trouve rigolo. Allez, hamac gonflable et tenue femme d'affaires. Je vais me les noter. Comme ça, je peux les recommander après. Allez, vite! On va chercher vite fait du paquet cadeau. Alors, hop, ici. Allez. Rose. J'en prends 5, ça ira plus vite. Emballer. Non, ça sert à réverbère. Je peux emballer mes réverbères. Oh, un four en pierre. Tenue femme d'affaires, voilà. Ok. Hop. Voilà. Comme ça, on vient pas les mains vides. Allez, on y va. Dépêche-toi! La pauvre, elle doit attendre. Salut Anne-Lise! Oh, on passera. Ah, elle met des lunettes. Ah oui, il y a quelqu'un en plus aujourd'hui. Oh là là. On a du boulot. Je vous offrir ça aussi, hein, si jamais elle a pas le plan. Allez, en route. Alors, je veux voyager. Alors non, c'est pas le ticket Miles Nook, je vais aller voir quelqu'un. En ligne. Dans ma liste d'amis. On y va, Canadoudou. Nous voilà. Ah bah j'ai hâte d'aller voir ça. Yes, ça y est, on part. Alors, je me demande à quoi ça ressemble. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de photos de son île. Suspense. Toujours un petit peu long, hein, les chargements. Et puis là, on fait Rennes Paris du coup. En hydravion en plus. Je te raconte pas pour atterrir sur la Seine. Donc une île assez sauvage. Elle aime bien les petits chemins, on voit. Oh! Est-ce que c'est elle, elle a les cheveux rouges? C'est fait une teinture? Je ne la reconnais pas. Ou alors elle a peut-être un petit chapeau, un petit bandeau dans les cheveux, je ne sais pas, une casquette. C'est vrai que je me suis pas amusé avec les teintures. J'aime bien ma coupe de cheveux pour l'instant.
Je changerai la couleur quand j'aurai les cheveux gris, c'est-à-dire dans pas trop longtemps. Oh. Et des petites fleurs. Alors. Hop. Je vais pas l'ouvrir, c'est pas le mien. Alors attends, je vais Happy Birthday, ça va plus vite. Allez. Happy Birthday. J'adore. On va aller. Attends, on va peut-être arroser, je sais pas. Ça va lui faire des fleurs en plus. Peut-être qu'elle veut pas que ça pousse en même temps. Oh, regardez comme c'est beau là. Oh, c'est trop beau. Elle s'est fait une petite piscine. On va aller regarder l'intérieur. Ah, c'est chez Chloé, c'est peut-être chez Mathieu, celle ici. On ne sait pas. Ah, c'est pas mal. Alors. Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop mignon! Est-ce qu'ils se partagent le ride ou pas? Je regarde sur la carte. Oui, ah non, non, c'est effectivement, il y a une autre maison. Donc, Bouli est ailleurs. Alors, là, qui comme habitant? Dimitri, Eustache, Teddy, Laurent, Isaac, Grisette, Rose, Pécan, Nathan et Naomi. Ah, Naomi, je la connais. J'adore le fauteuil pêche. Le fauteuil pêche est vraiment trop bas, trop beau. C'est trop Attends, je vais me changer. Elle préfère le salon. J'aime bien la musique qu'elle a mis dans la chambre. On va aller visiter les... Je vais aller voir les voisins. Vais voir... Voisins. Elle est toute mignonne sa petite robe. On dirait une robe kiwi, c'est peut-être la robe kiwi d'ailleurs. On dirait un petit kiwi qui se balade. Allez, concentration. Hop. On va rencontrer les gens quand même un petit peu. Alors. Oh. Tu t'en vas ou Laurent? C'est la première fois qu'on se rend compte, je me trompe? Moi c'est Laurent. Mais t'embêtes pas trop à retenir mon nom, va. C'est mon dernier jour sur cette île, alors bon. Du coup, si tu cherches quelqu'un qui parlait, tu ferais mieux de te tourner vers quelqu'un d'autre. Oh mon pauvre. Tu t'en vas? Laurent.
Ce tir. Je pense qu'à partir du moment où je reste l'esprit ouvert, ouvert d'esprit, pardon, tout se passera bien. Pour preuve, j'ai bien réussi à m'entendre avec toi. Ah bah, sympa. Il était peut-être méchant, en fait. Enfin, méchant. Désagréable. Alors, oh bah c'est Teddy, mais en fait je connais Teddy, qu'est-ce que j'ai raconté? Il habite aussi chez Vincent. Eh, t'es venu faire un tour ici depuis notre île, pas vrai? Je suis Teddy, enchanté. Ouais, mais il n'y a pas si longtemps que j'emménageais ici. Je peux pas trop te servir de guide pour le moment, mais ça fait plaisir de voir débarquer des visiteurs. Kanadoutou est un endroit agréable et apprécié. C'est très fruité chez Chloé, dis donc. Oh, j'adore. Oh, elle est géniale. Tiens, une nouvelle tête. T'es pas de cette île, si? Appelle-moi Grisette. Toi, tu dois être loup. Ok, c'est noté. J'oublierai pas. T'aimes Kanadoutou? Prends une profonde respiration et hume un peu cet air frais qui sent bon l'océan. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu ici. Passe-moi voir quand tu veux, hoche hoche. Oh, elle est géniale. Hop. La musique aussi, elle est trop bien. C'est quoi ta musique? Il est là ton poste. Kéké route 66. Ah, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors, attends, je regarde si j'ai pas des messages. On va aller voir chez Bouli. Alors qu'est-ce qui se passe quand le joueur n'est pas là? Ah bah il est juste pas là. Ah il est trop marrant son sol. C'est sympa. L'hôtel canard. Un petit paquet de mouchoirs à côté du lit. Hop, attends, hop, je suis coincé. Ah. Bon, il se fait son petit coin. Il y a Kéké, bien sûr. Ah, il y a les boutiques ici. On va aller voir la boutique Nook déjà. Oh, trop bien. Collection Rotin. Ah non, c'est armoire Jean. Ah merde, du coup, c'est vendu. Bah attends. Ah, j'aime trop la collection Jean, donc je me les prends. Et puis, ah, j'aime ça aussi. J'aime bien la couleur, j'ai déjà, mais... J'aime trop les meubles Jean. Je sais pas si ça l'intéresse, alors j'espère que... On l'a pas acheté en même temps. Ah, elle a choisi la petite île. J'adore faire les dérapages avec ma robe. Elle est devant la porte. T'as bugué? Je suis prêt pour... Alors attends.
Je vais me rechanger. Alors, fan de Grisette. Ah bah regarde, au même moment. Ah, c'est trop marrant ça avec le petit chien. J'adore Eustache aussi. Ah, Eustache, on l'a pas vu. Alors, attends, j'adore tous les fruits. Tous les arbres fruits. Eustache, il est où? Eustache. Là-bas. On va aller voir Eustache. S'il y a plein de pêches. Chez Naomi, donc le petit chien. Et Eustache, c'est là, du coup. On va aller dire bonjour à Eustache. Oh, il est trop marrant. Il est trop bien. Dis-moi, tu n'attrapes pas de cocaïne d'eau par hasard? Alors, sois bienvenue sur le domaine de Canadoudou. Je m'appelle Eustache. Tu verras, les habitants du coin sont géniaux. On voit qu'ils bénéficient de mon influence. Avec son bureau, là. C'est clair. Il est génial. Oh là 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 là. Ah, il y a des animaux trop rigolos. Cardo, il a pas l'air en parler. Alors attends, on va se changer. Voilà. J'ai exilé le camping. Ça, ça marche pas. Je vais dire photo. Attends, hop. Ah oui, il est là. Prendre l'échelle. On va nettoyer un petit peu. C'est quoi? Un étendoir à linge.
Et là, j'ai pécan. J'aime bien secouer les arbres. Y a pas de guêpe pour qu'on rigole un petit peu? C'est marrant de se balader à deux comme ça, chercher des fossiles. J'adore faire ça, ça me fait trop rire. On va désherber un petit peu pour rendre service. Il n'y a pas de guêpe apparemment quand on joue à plusieurs. Encore? Eh ben dis donc. Faut que je fasse mon expression là. Ah mince. Aïe. Ah les petits bambous. J'ai l'impression que mon île était pas très différente au début. Ah ça c'est du bambou. Ah. Ah. Ah son four il a pas la même couleur, c'est trop bien. Photo. Photo. Alors. Je suis. On va se mettre où? Là-dessus? On va se mettre où? Alors. J'adore comment il court avec les bras un peu écartés. Oh, grisette! Elle est trop marrante. Ah là, mais c'est là, c'est parfait. Bah alors. Voilà. Appareil photo. Alors. Un petit filtre. Oh, regardez comme on est trop chou. Ah, on peut dire qu'on a visité. Alors, j'ai visité.
J'adore son sol. J'adore. Hein? Alors. Ah, peut-être qu'on va peut-être arroser ça, non? En même temps, là, ça va pas pousser ici. C'est sur le côté qu'il faut arroser. Il faut qu'il y ait les mêmes fleurs les unes à côté des autres. Donc là, c'est bon, par exemple. Hop, je vais rentrer. Merci pour la visite. Il nous reste du boulot. Ah, peut-être qu'elle veut venir, je lui ai demandé. Tu veux passer? Qu'on a comme truc rigolo. J'ai plus de batterie. On va faire un petit rire. Ça tombait bien le petit. Ah là là, c'était rigolo. Allez, on rentre à Cocolindo. Allez, hop. Bon, j'ai dépensé pas mal de sous encore une fois, mais c'est pour faire des cadeaux. Oh. Ah bah oui, effectivement. Elle avait plus beaucoup d'îles. De batterie. Je vois que ça a coupé en plein milieu. Bon, bah... J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Alors... hop. Oh, il manque des... Oh ! Les cadeaux ! Oh non ! Oh non, c'est rien ! Oh non ! Bon, on n'a plus qu'à lui envoyer les cadeaux. Ah là 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 là, les pannes de batterie. J'espère que je l'ai au moins dans mes amis. Alors. C'est bon. Ah mais c'est terrible quand même. Oui. Ah bah du coup j'aurais pas J'aurais pas l'armoire jonc et les tables basses jonc, c'est dommage. Cher Chloé. Bon, c'est pas grave, on a fait une belle petite visite et on a quand même les photos. Voilà. On voit.
Alors. Oui, on envoie. Non, pas un habitant. Je me suis trompé. Si t'avais une liste, tu vois, avec les habitants, les amis, tout ça, ce serait bien, c'est ce que je te dis à chaque fois. Alors, un ami. Mince. J'ai pas mis le cadeau. Oh là là. Je le fais 100 fois, mais c'est comme quand t'envoies un mail, le fameux deuxième mail avec la pièce jointe, c'est mieux. Oui, allez. Oui. 300 ans pour envoyer deux cartes. Oh, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'ils améliorent ça. Ah mince. Ouais, c'est deux cartes par jour en plus. Super. Ah là 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 là. Bon, on va aller écouter. Bleu, c'est nouveau ça? Jacinthe bleue. Tili 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 tili. Vas-y, alors, j'attends que ça. Vas-y, je suis plutôt d'humeur. Bah, route 66, c'était très au top. Alors, ça va être quoi aujourd'hui? Groove Kéké. J'espère que je l'ai pas. Merci Kéké. Voilà, le petit concert de la semaine auquel on a droit du coup tout autant hein, dans ce let's play, bien évidemment. Alors j'en profite pour vous avertir qu'il y a
très bientôt, alors je sais pas quand est-ce que ça sortira par rapport à cet épisode justement, un nouvel épisode du tout premier Animal Crossing qui va arriver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi si vous l'avez pas encore vu. Animal Crossing GameCube. Alors, Nook Shopping. Je vais déjà reprendre les articles du catalogue. Femme d'affaires. C'était, comment ça s'appelle? Tenue femme d'affaires. Donc avec un T comme tenue. Alors, hop, ouais, plus vite. Voilà. Et puis le Lijon. Lijon. Ah ouais, on lui fait un beau cadeau quand même. Voilà. Attends. C'est mon cadeau de bizutage à chaque fois. Je le trouve trop drôle. Ah, ça me fait trop rire. Ça pue Resetti. On va lui mettre les ballons quand même, hein. C'était son anniversaire. Voilà. Allez, on peut s'occuper de la ville maintenant. On a déjà bien... bien kiffé. Salut Anne-Lise. Désolé, tout à l'heure j'étais pressé. Tu portes un Octali, tiens. Tu m'as l'air en pleine forme, dis-moi. Quelle charmante soirée. J'aimerais que cette journée ne s'achève jamais, Galapia. Allez, nous refaut des sous. Je suis deck pour la table basse, Jon, quand même. Allez, de l'or. De l'or de maison du café. Je vais la faire 100 fois, cette vanne. Jusqu'à ce que je meure de la vanne. Faut que j'ajoute de nouvelles couleurs ici. Faut toujours mettre les trois couleurs, c'est comme ça où t'as plus de possibilités d'avoir des modifications après. Regarde là, l'hélice comme c'est magnifique. Il pousse bien cela, hein. Ça va, Salami? Je t'ai déménagé. Tu m'en veux pas trop? Rien que de te voir courir dans tous les sens, je suis fatigué. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Je sens que je vais passer la journée à chercher une réponse. Ouais, du coup, t'habites là maintenant. Mais tu vas repartir de l'autre côté, t'en fais pas. Faudra juste que je fasse gaffe. Pas comme j'ai fait avec les sœurs doigts de fée. Pour que tu sois au bon niveau par rapport à la route. Salut, Kali. Ah, te voilà, Lou. Fais comme chez toi, Moshi. Il a bulle bizarre, lui. Qu'est-ce que tu penses de mes fringues? Le motif s'appelle bulle bizarre. Bah justement. C'est une création d'Amandier, dit la Nubia. Le tissu est incroyable. Il peut absorber des lits de transpiration. En plus, c'est super confortable. Hop. Voilà. Ah, tiens, j'avais des messages non lus. Ah, c'est bon. Ciao. Voilà. Ba-da-ba-bam.
Ah, j'avais pas vu qu'elle avait le la petite croix. Une carpe. Ça va, côté poche. Oh, ça devient... Alors, attends. C'est bien, j'ai des nouvelles jacinthes qui apparaissent. Allez, pour une fois, je l'enterre. C'est pas pour une petite fois. Hop là. Hop là. Catacanthus, ça rapporte des sous. Voilà. Alors, il y a des choses que je peux ranger. Oui, bah déjà, le groove. On me laisse vieux biscuit ici. Et réfléchir, voilà. Le papier cadeau, je peux l'entreposer. Les réverbères, je les garde, bien sûr. Aérateur, bon, j'entrepose. Le short à rayures bariolé, j'entrepose. Je vais ranger tous les matériaux. Parce que ça fait toujours du bien de faire un petit peu le vide. J'ai encore un pommier, je pense que je vais le vendre. Alors quand même pas que je vende tous les pommiers du monde, quoi. Est-ce qu'il me reste au moins des pommiers dans mon île? Le mec en avait tellement marre des pommiers depuis le début du jeu qu'il est... Bah oui, de toute façon j'en ai planté dans le coin ici. Regarde, il y en a un là déjà. Voilà. Il y a un pommier déjà. Pourquoi tu te plains? Allez, un petit carassin. C'est marrant de voir leur tête dans le premier Animal Crossing, justement. Les petites différences, enfin les grosses même. Oh, Attacus Atlas. Alors, par contre, il est très mal placé. Oui, bah voilà. Coucou. Boum. Alors, ah Manna, ça roule loup, t'as pensé à la liste de courses niche? Faut une bonne dose de self-control pour pas vider tous les rayons ici. Si j'étais millionnaire en clochette, je chopperais ça, puis ça, et puis ça. Mais pour le moment, j'ai à peine les moyens de faire du lèche-vitrine niche. Oh ma pauvre. Bon, le truc de douche, c'est rigolo. Combien? 1800, allez, paf. Alors, Ah mais non, mais le lit, je vais pas faire le lit au fait, au final, je vais vous faire le hamac gonflable. J'ai commandé le lit pour rien du coup. Oh, quel idiot.
Bon, faut que je retourne acheter un truc. Le hamac. C'est bon. On est bon. Voilà. Ah, quelle bécasse. J'étais persuadé de leur donner le lit. Ça me fera deux lits, bah, je pourrais lui offrir. Alors, je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Allez, écoute, Kéké. Je dois recommander un hamac gonflable bariolé, s'il vous plaît. Alors, hop, hop. Hamac gonflable. Version arc-en-ciel. C'est plus joyeux. Parce qu'elle avait en vert, je crois. Alors. Ça, je l'ai. Oui, je l'ai fait celui-là. Ici c'est pas le plus pratique. J'espère qu'il y aura pas les sous. Deux objets. Mais j'aime pas le caillou près de la route. Comme ça faudra que je le pète pour le remplacer. Voilà. Bon. Toujours pas lui. Voyons voir. Si je mets des bancs. Oui, non, ça va être pas mal. Il est bien placé, il a l'air. Après, est-ce que je ferai pas... Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Bon, on verra quand tu auras les bancs. Tiens, Pocket, elle est loin de chez elle. Elle se balade bien. Oh, Bichon! C'est toujours un plaisir de papoter avec toi, gamin. Bah merci. Pourtant on s'est rien dit là. C'est qui ça? C'est Elise. Tu m'as l'air en pleine forme, dis-moi. Encore une chouette journée à Cocolindo, je me sens toute guillette, stop. Allez, les sous. Non. L'or un petit peu. Oh, ça fait vide sans la maison de notre ami Salami. J'ai été voir... Non, j'ai pas été voir chez les sœurs aujourd'hui. Alors... C'est un costume de saucisse ou quoi? Oh, l'outil vend ma pique! Bon, encore des motifs? C'est gentil. Je commence à y prendre goût. Une capuche saucisse? Et à côté, c'est quoi ce truc?
Un vestige de repas. C'est complètement zinzin. J'adore. Celui-là, je l'ai fait ou pas? J'ai un doute. Voilà ta réponse. Voilà. Pas d'or. Salut, Jamy. Bien, le bon, ou plutôt la bonne nuit. Ah, voilà l'heure où je commence à vraiment émerger. La nuit est à nous, Lou. Les fossiles aussi, j'espère. On en est où? Le quatrième. Voilà. Ah bah, on va pique. Pour en récupérer une en allant les vendre. Me force pas à faire le tour, s'il te plaît. Enfin, de toute façon, faut que je fasse le tour, mais. Bon, ok. C'est juste que j'avais pas envie de changer de. Cela dit, c'est toujours moins chiant que dans la version GameCube. Hein. Parce que là, vraiment. Entre ça et l'inventaire de 15 places, je vous raconte pas. Et le fait que les fruits, par exemple, ça prenait une place et qu'on pouvait pas les mettre les uns sur les autres. La loge des temps. Pas de raison. Une psyché délire. Ah bah super, décidément. Oh purée. Ah. Bah voilà. Mon pauvre bichon. Allez. Pam 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 pam. Alors attends, qu'est-ce que je dois remplacer? Un filet et une pelle. Ok. Attends, mais j'ai pas eu mon or en plus, hein. Faut que je repasse à, c'est à Beverly Hills du coup. On va d'abord chez Thibaut. Je l'ai ou pas celui-là? Bupress, ça rapporte des sous. Oh purée. Coucou. Ah, on va parler du rallye des tampons. Oui, je sais, je l'ai déjà fait deux fois. Merci. Expertise mes fossiles. Très bien, ça fera des sous. Non, rien. Regarde-moi ça, j'ai l'air fin maintenant. Alors.
Coucou. Alors, je veux vendre ça, ça, ça. Non, ça, je le garde, je viens de l'acheter. Ça, 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 ça. Ah, et puis ça. On est bon. Puis il faudra qu'on fasse notre petite île mystère. Ouh. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, elle est jolie cette pelle. La pelle design. Oui, il y a le filet design. Beaucoup moins design. C'est bon. Et du coup, j'ai des miles. Comme quoi, ça vaut les coups de vendre des cocos. On se pousse. Donc, direction Beverly Hills maintenant. Puis on aura fini pour cet épisode. Bien rempli, encore une fois. Ah oui, t'as combien là? Oh. Ouais. Une autre fois, on verra. Mais je viens de voir surtout, regarde. Il nous reste un fossile. Pour retourner voir Thibaut. Et il y a Patty à côté. Coucou Patty. Je t'ai à peine reconnu, boursouflé comme tu es. C'est une guêpe qui t'a fait ça, loup. Oh, j'ai mal rien qu'à te regarder. Essaie de te procurer un remède, tu peux pas rester comme ça. Bah ouais. Voilà les sous. Ah, ça fait du bien au porte-monnaie, hein. Voilà, après toutes ces dépenses. Ma roseraie, comment ça se passe? Il revient de haut, lui. Carassin, volant. Ah, je l'avais pas vu. Alors, cette mauvaise arbre-là, je vais la couper parce que depuis le temps qu'elle est là, elle m'agace. Voilà. Oui, vous pensiez peut-être que je l'avais pas vu, mais si, si, je l'avais vu et elle m'énervait. Je trouve que ça n'est pas naturel comme ça. Bah, je préfère. Ah, bah, je l'ai fait fuir. Un chinchard, sachant chincher. Voilà, 5 poissons aujourd'hui. C'est bien. Est-ce qu'ils ont compté ceux que j'avais eu chez Chloé? On sait pas. Je vais aller voir juste par curiosité. On sait jamais. Du côté du ponton.
Dommage. En plus, j'avais fait une belle suite là. Non, j'avais pas battu mon record. Bon. Hein? Un bar. Un quart d'eau. Bon, écoute. Fais toujours un peu plus. Personne. Oh là là, bon. On s'y pointera avec les appâts. En attendant. Tac. Hop. Chez Thibaut. Et puis. C'est fini. Salut, Cali. Mon petit calisson. Je sais pas si on peut changer leur phrase de fin, tiens, dans celui-ci. Encore une expertise, mon gros. Un crâne de Triceratops qu'on a déjà. Voilà. Eh ben non, c'est bon. Oh, j'ai oublié de vérifier, mais pas Runar. Hein. Non, j'aurais remarqué en allant à Beverly Hills. Bien, c'est donc la fin de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. On se retrouve bientôt pour la suite d'Animal Crossing New Horizons. N'hésitez pas non plus à aller voir mon let's play du tout premier Animal Crossing sorti sur GameCube. Allez, je vous embrasse, à très vite.